Pourquoi on vient au restaurant? Parce que pour le mettre dans des situations qui sont tout à fait normales pour la plupart des personnes de son âge, on vient boire un verre, on vient au restaurant, ça lui permet de vivre avec des personnes comme tout le monde et aussi de pouvoir travailler sa communication, c'est-à-dire que je lui fais commander son plat, je lui fais, s'il manque quelque chose, en général, c'est lui qui le demande. Croquettes ou des frites? Croquettes. Des croquettes, avec quoi? Pour permettre à Julien de choisir son menu, je lui ai fait un horaire, un menu en images, parce qu'il ne sait pas lire, donc, mais c'est important pour lui de pouvoir choisir son menu. Donc, je lui ai mis divers menus parmi les choses qu'il aime et je sais qu'il choisira parmi ce qui est sur les images. Ouais. Et pour manger, tu prends? Croquettes, burger, mayonnaise. Ok, hamburger. Petit couvert. Ok. On attend le repas, donc il a toujours la possibilité d'écrire et de faire des dessins. Et c'est assez récent maintenant, il me demande d'écrire des mots et lui les recopie. Et il a fait d'énormes progrès aussi de ce côté-là. Ah ben oui, il est en train de Voilà, bon appétit. Tu lui demandes. Je voudrais la mayonnaise, s'il vous plaît. Voilà. Oula. Il y a une chose qui est un peu... que j'ai dû apprendre à Julien, c'était de ne pas jouer avec ses couverts. Parce qu'au départ, il avait tendance à jouer avec ce couvert, à les mettre devant sa figure, et alors, parfois, le repas prenait un peu trop de temps. Donc, à ce moment-là, je lui ai mis, il avait deux repères visuels, comme ceci. Les couverts, c'est pour manger, et ce n'est pas pour jouer devant la figure. Au départ, il avait besoin d'un renforçateur, c'est-à-dire que s'il le faisait correctement, il avait une revue, c'est quelque chose qu'il aime beaucoup. Mais maintenant, les repères sont pratiquement inutiles. J'écoute. Vas-y, demande à monsieur, Julien. Je voudrais la question, monsieur. Je voudrais la question, monsieur. Je vous remercie.